entrer. Asseyez-vous, mon enfant. Merci, Monseigneur. Je suis content de vous avoir revu. Moi aussi, Monseigneur. Cette retraite a-t-elle été profitable pour vous? Je le crois. Il est bon de se recueillir seul en face de Dieu à la veille d'affronter le monde. Je me souviens des années que vous avez passées ici. Vous étiez un brillant sujet, Béranger. Si, si, ne protestez pas. Vous mettiez autant d'ardeur dans vos études que dans vos exercices religieux. Un vrai soldat du Christ, qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs ministères, à la satisfaction de tous. Et maintenant, Monseigneur, j'attends ma nomination. Je sais. Je dois vous en parler. Avant tout, soyez sûr de l'estime dans laquelle on vous tient à l'évêché. Je reconnais vos mérites et je fonde de grands espoirs sur vous. Oui, Monseigneur, mais ma nomination... Vous êtes nommé curé à Rennes-le-Château, une petite paroisse qui se trouve dans le Razès. Je connais le pays, Monseigneur. C'est le mien. Et j'ai peine à croire qu'il s'agit là d'une faveur. Pourquoi? Rennes est un village sans ressources, peuplé de mécréants. La valeur du prêtre se mesure à la difficulté de la tâche, mon enfant. Si je vous ai désigné, c'est que je vous ai jugé digne de surmonter ces obstacles. Et si j'en suis incapable? Allons, pas de fausse modestie. Vous êtes taillé pour la lutte, Béranger. Comment lutter dans le désert? Par la foi. Vous en avez à revendre. Il nous faut des hommes comme vous pour défendre l'Église. Rappelez-vous la devise de saint Ignace. Ad augustum per angustias. Nous atteignons les cimes par les voies étroites. Ce qui peut vous paraître une épreuve aujourd'hui n'est qu'un point de départ. J'ai mon idée. Ce n'est pas un hasard si je vous ai nommé à Rennes-le-Château. Qu'est-ce que vous voulez dire? Plus tard, Saunière, soyez patient. Quand on sème le bon grain, on récolte de riches moissons. Imagine la situation, Cathy. On est à la fin du 19e siècle, dans un petit village perdu quelque part au sud de Carcassonne. Tu me suis? En 1885, un prêtre arrive dans sa paroisse. Il s'appelle Béranger Saunière. Il n'a pas un sou. Et 5 ans après, il est riche comme Crésus. C'est la chance de ma vie, ce contrat d'écriture. C'est pas la première fois que je t'entends dire ça. Non, non, mais là, c'est ma vraie chance, je le sens. Et tu dois le livrer quand, le manuscrit? Dans 3 mois. Bon, tiens, regarde. Ça, c'est la liste des bouquins que j'ai cochés. Alors, ceux-là, je les ai. Rennes-le-Château, capitale secrète de l'histoire de France. Jacques Rivière, fabuleux trésor de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, archives et documents. Rennes-le-Château, spécial Boudet, le même. L'héritage de l'abbé Saunière et Macalvet. L'abbé Boudet, la vraie langue celtique. Les cahiers de Rennes-le-Château. Une bande dessinée de Rennes-le-Château. Les secrets de l'abbé Saunière. Les archives de Rennes-le-Château. Voilà. Bon, alors les autres, tu vas les chercher chez les éditeurs et s'ils ne les trouvent pas, à la Bibliothèque nationale. Non, mais je te remercie, je connais mon métier. Hein. Et tu pars quand? Ce soir. Je prends le Capitole à 18h. Puis sur place, je louerai une voiture. On ne te refuse rien. Ouais. Regarde le corbeau là, on va le faire s'envoler. Hé! 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 Vous êtes vous? Bande de brutes!
sauvages. À qui tu parles, curé? À vous, mes fils. Qu'est-ce qu'il dit, le ratichon? Il dit qu'on est ses fils. Je veux pas te perdre là, moi. On n'est pas de ta famille. On est en République. On est tous les enfants de Dieu. Moi, je suis orphelin. Ton Dieu n'existe pas. Demande-lui pardon à genoux. Plutôt crever, oui. À genoux. Plutôt crever, oui. Demande pardon à Dieu. Un pas de plus et je le lâche. Quand tu seras en bas, tu verras si Dieu existe. Regarde. Souvent de pardon. Non, pas à moi, à Dieu. À Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, répète après moi. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. De toutes les choses visibles et invisibles. De toutes les choses visibles et invisibles. Prie avec moi, je crois à notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Fils unique, né avant tous les siècles. Fils unique, né avant tous les siècles. T'as peur de mourir? T'as peur de quitter une existence misérable pour une éternité de délices au ciel? Allez, va. Et ne pêche plus. Le diable, ce curé-là. Hey! Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus. Ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jésus. Paraître une épreuve aujourd'hui n'est qu'un point de départ. J'ai mon idée, ce n'est pas un hasard si je vous ai nommé Hervé Mejuto. J'espère que votre choix est bon. Oh, Monsieur Bois, n'a pas l'habitude de faire les choses à la légère. L'abbé Béranger Saunière appartient à une famille du pays. Pauvre mais honnête. Oui, parfaitement. Il est né tout près d'ici, à Montazel. Il connaît les paysans, il sait leur parler, ce qui est important dans la tâche que nous voulons lui confier. Pourquoi n'est-ce pas vous qu'on a choisi? Vous êtes sur place. Oh, non. Non, non. Non, vous n'y comprenez rien. D'abord, c'est inexact. J'habite à Rennes-les-Bains, pas à Rennes-le-Château. Je suis un curé de la ville. Ben, je sais, Rennes-les-Bains n'est pas à Paris, mais les Parisiens y viennent volontiers pour soigner leurs douleurs. Mes paroissiens sont des bourgeois, des gens fortunés qui n'ont rien de commun avec les paysans du Razès. Puis ensuite, je me fais vieux. Je suis malade. Il faudra une rue de santé à l'abbé Saunière pour... Pour quoi faire? Ah ben, pour accomplir sa tâche. Mmh.
Bonjour. Comment tu t'appelles? Madeleine. C'est un beau prénom. C'est celui de ta paroisse, Sainte-Marie-Madeleine. Tu savais? Je suis votre nouveau curé. Madame Alexandrine. Quoi, Madame Alexandrine? Elle a les clés. Les clés de quoi? De l'église. Ah. Et où est sa maison? En bas, elle a des volets verts. Tu viens me montrer? Que savez-vous de lui? Eh bien, je vous l'ai dit. Une famille méritante de cet enfant. De plus, il s'est montré un brillant sujet au grand séminaire de Carcassonne. Il a été nommé vicaire à Alais en 79, et puis ensuite curé des servants. Je me moque de ses états de service. Ce qui m'intéresse, c'est sa nature, son caractère. Il est malheureux. D'où sortez-vous? De là-bas. J'écoutais l'âme de la buissonnière. Vous entendez des voix maintenant? Tout s'exprime dans la nature, monsieur l'abbé. Même les pierres. Savez-vous ce qu'elles représentent, celles-ci? Ce sont des fragments de sculptures de l'époque des Visigoths. Si vous le dites. Il suffit de les interroger et d'avoir l'oreille fine. Les pierres nous racontent leur histoire. Si nous savons l'entendre à 15 siècles de distance, pensez bien qu'il est aussi simple d'écouter une arme à quelques centaines de mètres. Et qu'est-ce qu'elle vous disait, cette arme? Elle était en colère. Ensuite, elle était triste. Je n'aime pas les gens tristes. Il aura tout ce qu'ils font. Nous lui enverrons quelqu'un pour le consoler. J'ai vu le curé. Tu l'as vu? Alors, comment il est? Mais réponds, il t'a parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as perdu ta langue? Il est beau. Pardonnez-moi, Seigneur. Je suis indigne de votre miséricorde. Voilà ce qu'ils ont fait de votre maison. Je jure, par tous les saints du paradis, de vous la rendre plus belle qu'au premier jour. Amen. Thank you.
Vous visitez votre domaine ? Je m'appelle Béranger Saunière. Je suis le nouveau curé de la paroisse. C'est ce que je vois. Bralou, Gustave. Moi, je suis le maire. Et la commune doit assurer l'entretien de l'église, monsieur le maire. Il faut de l'argent ? C'est la loi. La loi de votre république. Vous me devez le clos et le couvert. Je sais. Pour le clocher, on pourra le réparer. Pour le reste, il faudra demander à votre bon Dieu. Je lui ai dit, il faudra voir avec votre bon Dieu. Moi, j'ai pas un sou. Bien répondu, Gustave. D'où il sort, ce curé-là ? C'est le curé de la paroisse. On n'en avait pas depuis 2 ans. Moi, je m'en passais bien du curé. Maintenant, on en a un, il faut le loger. Il a qu'à se débrouiller, pas vrai, Gustave ? C'est un homme comme un autre. On va pas le laisser coucher dehors. Mon père, bénissez-moi. La soupe est prête. Elle a un bon visage. Des pois, du lard et... une poignée de fèves. Chez nous, à Montazel, ma mère y ajoutait parfois des herbes sauvages, de la sarriette et du romarin. Ici, on n'en met pas. Je me levais le premier, j'allais chercher l'eau sur la place. En été, j'attendais le soleil. Quand il apparaissait au-dessus de la montagne, le paysage changeait, il prenait forme et devenait brillant. C'était comme la grâce de Dieu qui donne la vie aux hommes. Mangez votre soupe. Bientôt, je pourrai dire la messe dans notre église, Madame Alexandrine. La commune va réparer les toits. Qui vous a dit ça ? Le maire, je l'ai vu hier. C'est un cochon de républicain. Un mécréant. Ils ne seront pas toujours les maîtres. Dieu vous entende. Nous n'avons pas encore parlé de vos conditions. Oh, je suis prête à faire un sacrifice. Et combien me coûtera votre sacrifice ? Eh bien, disons que pour le repas, la chambre, le pain, le vin, la paire de draps de votre lit, la chandelle, je vous compterai 35 francs le mois. C'est trop pour la bourse d'un curé. J'irai loger ailleurs. Mais la vie est dure pour tout le monde. Je le sais. Tenez, voilà pour les 2 nuits et les 2 repas. Et pour manger, un homme comme vous, il faut bien qu'il mange. Combien ? 15 francs le mois. 10 francs. 12. 10 ? Pas un sou de plus. Qui n'ont pourri, quoi, quel curate. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Sortez de là ! Vous savez que c'est un cimetière ? Vous jouez au ballon dans un cimetière ? Qu'est-ce qu'on dit d'abord ? Bonjour. Bonjour qui ? Monsieur le curé. Pour respecter le sommeil des morts. Les gens ici, ils dorment. Ils dorment très longtemps, très très longtemps. Jusqu'au jour où Dieu les ressuscitera, ils se réveilleront, ils monteront au ciel... Et puis, on passera l'éternité avec eux, en paix. Hein ? Je vous expliquerai ça au catéchisme.
Bonjour. Je suis l'abbé Saunière, votre nouveau curé. Je suis l'abbé Saunière, le nouveau curé de Rennes-le-Château. Il n'y a personne. Le père, il veut pas du baptême, il dit que ça porte malheur. Regardez. Mathieu, Camille, Nisan, tous pareils. Ils sont comme des bêtes. Nisan, donne quelque chose à monsieur le curé. On doit bien un petit verre. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Saunière. Béranger Saunière. Elle est à vous, la vigne ? Non. Mon père aussi, il était métayer à Montazel. Il devait la moitié de la récolte. Les mauvaises années, on n'avait pas grand-chose à manger. Mathieu, il faut baptiser vos enfants. Vous leur avez donné l'existence, mais ils appartiennent à Dieu. Ils ont droit à la vie éternelle, comme vous, comme moi. Ce ne sont pas des animaux, ce sont les enfants de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Vous serez à l'abri au moins. J'ai transporté le lit du presbytère, ma femme a nettoyé, mis une table et des chaises. La cheminée marche, en attendant mieux. Monsieur Gélis, vous êtes marguillé. C'est vous qui faites les comptes de la paroisse. Ils sont vite faits, la commune ne donne rien. Je mettrai bon ordre. Je suis le berger d'un troupeau. Le troupeau doit vivre, mais le berger aussi. Qui est cette fille? Vous la connaissez? Elle n'est pas du village. Monsieur le curé, si je puis me permettre. Il y a du danger ici pour un prêtre comme vous. D'abord les républicains. Ils n'aiment pas Dieu ni l'Église. Ils vous feront des misères. Je le sais. Et puis, ce n'est pas vous manquer de respect que de le dire. Vous êtes jeune. Méfiez-vous des femmes. Qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce que c'est, Dieu? T'as une idée? Une vaste question. Dieu, c'est un être infiniment bon. Il a créé le ciel et la terre. Voilà, vous répétez après moi. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un être infiniment bon. Dieu est un être infiniment bon. Il a créé le ciel et la terre. Bon. Vous avez des questions? Non. Si tu voulais me poser une question avant, non? Bon.
Oui. Alors. Les morts. Qui c'est qui a inventé les morts? On répète une dernière fois. Dieu est un être infiniment bon. Dieu est un être infiniment bon. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé le ciel et la terre. Connaissez-moi, mon père. Collecte, ma fille. C'est moi que tu attendais? D'où viens-tu? Je m'appelle Marie. Marie Denardo. Ma famille est d'Esperanza. Chaque semaine, je vais chercher de l'eau de soufre à la source de la Madeleine. Je la porte à ma mère. Tu fais un long chemin pour arriver jusqu'ici. C'est M. Boudet qui m'a dit de vous donner la lettre. Le curé de Rennes-les-Bains. Merci. Je les mettrai à l'église en l'honneur de Sainte Madeleine. Marie, tu as une gentille messagère. Monsieur l'abbé. C'est une joie pour moi de saluer le nouveau des servants de la paroisse de Rennes-le-Château. Si je peux vous aider de quelques conseils, j'aurai plaisir à vous accueillir ce jour à l'heure qu'il vous plaira. Croyez-moi fidèlement uni dans le cœur sacré du Christ Jésus, notre Seigneur, Henri Boudet. Vous savez ce qu'il m'a dit, le curé ? 10 francs, pas un sou de plus. Une vraie bourrique. Je le trouve bel homme, moi, pour un curé. Un curé, on n'y touche pas. Qu'est-ce que tu en sais? C'est pas la robe qui me gênerait. Robe ou pantalon? C'est pareil, en dessous. Bonjour, les filles. Bonjour, monsieur le curé. Vous avez vu votre linge? Eh, yes. On frotte, mais le mal est toujours là. Oui, mais quand le mal est parti, le linge est plus beau qu'avant. Vous le faites sécher, il brille et vous êtes heureuse. Ça, c'est vrai, monsieur le curé. Chaque fois que j'ai fini une lessive, j'ai envie de danser. Vous avez écouté, soignez bien votre linge. Et pensez aussi à votre âme. Qu'elle soit aussi blanche que votre linge. Et Dieu sera heureux. Au revoir, mes filles. Au revoir, monsieur le curé. Il a de l'esprit, notre curé. Il parle bien. Ah. Tu as vu ses yeux quand il me parlait? Oh. Je me jetterai bien à l'eau pour lui. Oh.
Dieu de la terre. Dieu de la terre. Dieu de la terre. Monsieur l'abbé Saunière, entrez, entrez, entrez. Oh, ma servante n'est pas là, je vous prie de m'excuser. Je passe devant vous. Faites pas attention au désordre. Vous êtes dans la maison d'un pauvre bonhomme de prêtre qui passe ses jours au milieu des pierres et des vieux grimoires, en dehors du service de Dieu, bien sûr. Venez, entrez là quelques instants, j'arrive tout de suite. Voilà. Ah, il y en a beaucoup dans la région. Celui-là, j'en suis fier. Et je l'ai trouvé dans le terrain de l'homme mort, juste à côté de l'emplacement d'une maison gauloise. Et là, c'est une pierre polie. Une hache celtique, voyez-vous. La plupart sont faites de jade ou de diorite. On les appelle pierres de trou. Certains prétendent qu'elles ont une signification religieuse. Elles représentent ce qu'il fallait croire. Vous semblez passionné par ces recherches, monsieur le curé. Chacun sa marotte. Non, mais je suis trop âgé maintenant pour courir dans la montagne, alors je me contente d'écrire. Tenez, je vous en prie. Merci. Oui, ici, nous vivons dans un pays riche d'histoire, sur une terre où il y a plus de morts que de vivants. Ce sont les vivants qui ont besoin de nous. Oh, mais je ne les oublie pas. Pardonnez-moi, ma servante. Ah, Julie, où étais-tu passée, s'il te plaît? J'étais à la rivière, vous le savez bien. Mais non, je ne le sais pas. J'ai besoin de toi ici, moi. J'ai vu tous les jours. Tu es toujours à courir. J'ai déjà dit 1000 fois de ne pas partir sans me dire où tu allais. Mais je vous l'ai dit. Discute pas et fais-nous du café, veux-tu? Pardonnez-moi. Vous aimez le café? Oui. Je le reçois d'une de mes pénitentes de Bordeaux qui soigne ses rhumatismes dans ma paroisse. Du pur Colombien arôme. Est-ce que c'est vous qui avez exécuté ce dessin? Ah non. Non, ça c'est de mon frère, Edmond Boudet. Vous avez sa signature là en bas. Il s'agit là d'un pilier très très ancien, on le date de l'époque des Visigoths, au 5e siècle. Et où se trouve-t-il? Chez vous. Oui, dans l'église de Rennes-le-Château, vous n'avez pas remarqué? Il existe de très nombreuses traces de l'occupation des Visigoths dans le Languedoc. Alaric est venu s'établir ici après le pillage de Rome. On dit même qu'il y aurait rapporté un trésor. À Rennes? Oui. Dans les environs. Asseyez-vous. Cher monsieur l'abbé, je ne vous ai pas demandé de venir me voir uniquement pour vous parler de mes recherches archéologiques. Un jeune prêtre comme vous rencontre parfois des difficultés dans l'exercice de son ministère. Et soyez assuré de mon concours. Je suis là pour vous aider, pour vous faire profiter de mon expérience. Je vous remercie. Pour le moment, mes difficultés sont plutôt d'ordre matériel. L'église est pauvre. C'est l'État qui gère les biens.
Et de quelle façon? Nos sanctuaires tombent en ruine et leur pasteur n'a même pas un toit pour s'abriter. Hélas! Ah! Tu n'as pas oublié les galettes et le miel, hein? Le miel, je le reçois d'une vieille paysanne d'Esperanza, c'est un régal. Je comprends votre situation. Elle demande de la passion. Prenez-vous du sucre, monsieur le curé? Deux? Non. Non, laisse-nous, Julie, s'il te plaît. Ah, nos montagnes sont pleines de surprises. On y trouve des pierres, des armes, de l'or, peut-être. Actuellement, je travaille à une étude sur le cromlech de Rennes-les-Bains. Savez-vous ce que c'est un cromlech? Oh, vous en avez vu sûrement. Ce sont des pierres levées, autrement dit des menhirs, disposées en cercle. Et dans ce lieu, jadis, se déroulaient des cérémonies d'initiation. Des sacrifices sanglants. Et on respire ici un air étrange. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas prendre parti ouvertement contre les républicains de votre commune. À condition qu'ils me laissent tranquille. Sinon, je ne vous promets rien. Soyez conciliant. Je ne baisserai pas le front devant le pouvoir civil. Oh, le pouvoir civil vous déplacera. Suffit que le maire écrive au préfet. Or, nous avons besoin de vous. Pourquoi? Moi ou un autre? Oh non. Vous, c'est vous qu'il nous faut. Vous. On voit bien qu'il n'y a pas de femme chez vous. Je suis un prêtre, Marie. Et alors? Ce boudet, il a bien une servante qui s'occupe de lui. Il est plus riche que moi. Je vous coûterai pas cher. Il n'y a pas un balai dans la maison? Je ne sais pas. Oui, peut-être dans le coin. Et le lit qui n'est pas fait? Une méchante paillasse, des couvertures trouées? N'entre pas. Vous êtes fâché? Non, mais c'est pas convenable. Marie, je crois qu'il vaut mieux que tu t'en ailles. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien. Écoute, tu as quel âge? J'ai eu 16 ans à la fête de la Sainte Vierge, le 15 août. Tu n'es plus une enfant. Bientôt, tu seras en âge de te marier avec un garçon de ton village que tu aimeras et qui t'aimera aussi parce que tu es gracieuse, tu es une bonne chrétienne. Tu écoutes ce que je te dis, Marie? Je n'aime personne. Alors, une jolie fille comme toi. Allons, allons. Fais-moi un bon sourire. Marie. Où êtes-vous? Je vous attends. Et va prier le bon Dieu, curé. Corbeau. Qui êtes-vous? Bande de pleutres!
Curé, on va mettre le feu à ton casino! Donc tout est parti de là.